She's so sweet, my fantasy treat. Sexier than lingerie, strong as a serrated blade, smart as can be, you'll think she had a PhD. Bonjour, je m'appelle Cindy, j'ai 27 ans et je suis conférencière maquilleuse pour le groupe SLA. À l'origine, j'avais déjà un CAP esthétique et un diplôme de maquilleur professionnel, mais je voulais vraiment me diriger plus peut-être dans l'animation vente, avoir une corde de plus à mon arc. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un CQP et puis surtout me remettre à niveau au niveau du maquillage. Dans ce métier-là, il faut toujours, toujours se remettre à niveau. Alors aujourd'hui, je suis conférencière maquilleuse pour la marque Sergio Alvarez. C'est-à-dire qu'en gros, les trois quarts de mon temps, je les passe dans les écoles d'esthétique et de maquillage partenaires du groupe pour leur parler de la marque et leur faire une démonstration de maquillage. En général, c'est sur une conférence qui dure 3 heures. Il faut absolument pouvoir être organisé, pouvoir gérer un planning, pouvoir leur proposer des dates et des horaires qui leur correspondent, mais qui correspondent également à notre planning. Et puis après, forcément, il faut être une bonne maquilleuse, bonne technicienne, forcément, parce qu'on fait des maquillages quand même qui sont assez poussés, souvent c'est du maquillage artistique. Donc forcément, bonne technicienne et puis bonne formatrice aussi. Il faut être pédagogue, on leur donne souvent des petits conseils hein, et puis des qualités qu'on retrouve dans beaucoup de travail où il y a du contact, c'est-à-dire être souriant, être aimable et puis surtout être ponctuel. Dans l'esthétique, il y a plein de métiers. Si on part sur un CAP esthétique tout simplement, on peut devenir esthéticienne, on peut travailler dans un institut sans problème, on peut également travailler dans des parfumeries, et puis après on peut se spécialiser. Maintenant il y a plein de CQP. On peut autant travailler pour un groupe, pour une parfumerie, pour un institut, mais on peut très bien aussi travailler à son compte. Need to know, do you want to be my girl? Can you handle it?